Le RMS Titanic, un nom qui restera à jamais gravé dans l'histoire. Après avoir coulé dans l'Atlantique Nord le 15 avril 1912 à 2h20 du matin, le Titanic toucha 2 heures après le fond de l'océan. Il repose maintenant à 3800 mètres de profondeur et à quelques kilomètres de l'endroit où il a sombré. Après de nombreuses recherches, l'épave du Titanic est finalement retrouvée le 1er septembre 1985 dans le cadre d'une mission secrète franco-américaine au large de Terre-Neuve. Ainsi, je vais vous présenter la simulation du naufrage faite par des chercheurs. À la suite de sa collision avec un iceberg, les compartiments étanches fissurés se remplissent d'eau. L'avant du bateau s'enfonce et l'arrière sort de l'eau. La pression exercée sur l'arrière du bateau étant trop forte, le navire se brise en 2 morceaux, la proue et la poupe. La proue va se diriger verticalement à grande vitesse, le nez du navire face au courant jusqu'au fond de l'océan. La poupe, quant à elle, va se diriger section brisée face au courant et va en partie se désintégrer juste après la surface. On parle d'une désintégration d'un tiers de la poupe. Tout ce qui n'était pas bien accroché s'est éparpillé très rapidement. Pour finir, les deux parties vont se poser sur le fond marin à 600 mètres l'une de l'autre autour d'une large zone de débris. La partie avant du navire est en assez bon état, mais la partie arrière est pour sa part disloquée. Dans la partie avant du navire, le fameux grand escalier s'est affaissé sur lui-même, ainsi que le dôme de verre qui le surplombait. Le trou laissé par l'escalier et son dôme est maintenant devenu le point d'entrée des explorateurs pour visiter l'épave. D'autres lieux ont été visités, tels que la salle de réception du navire, la salle à manger de première classe, les bains turcs, la salle de tri postal, le gymnase et la cabine du commandant Edward Smith. La plupart des pièces étant remplies de débris, la baignoire de la cabine du commandant est retrouvée intacte. Les explorateurs ont aussi visité plusieurs dizaines de cabines des ponts A, B, C et D, notamment les suites de luxe du pont B. La découverte et l'analyse de la partie avant par un sonar a permis de constater la déchirure d'une dizaine de mètres causée par l'iceberg. La partie arrière du Titanic est pour sa part en très mauvais état. La coque est en grande partie tombée, les ponts sont retournés et un grand champ de débris s'étend aux alentours. Cependant, les 3 hélices et les 2 machines alternatives du navire sont restées à leur place. Dans le champ de débris aux alentours de l'épave, on y a découvert de nombreux morceaux de charbon, une poupée, des pièces d'acier provenant des bancs, un des coffres-forts du navire, des chaudières, et on y a également trouvé des restes des cheminées. Le navire se désagrège progressivement, rongé par une bactérie baptisée Halomonas titanicae, qui peuple les fonds marins. Les nombreuses expéditions sur le site ont également un impact sur l'état de l'épave. Ces expéditions ont pollué le site et ont favorisé la prolifération de la bactérie. Les chercheurs ont estimé que l'épave pouvait s'effondrer sur elle-même dans les décennies à venir. Pour ma part, j'ai terminé. Je vous laisse maintenant avec les images de l'épave à couper le souffle.